Bobis, qu'est-ce qui a quelques jours de recul, qu'est-ce qui a pas fonctionné au Red Star lundi? Bah, qu'est-ce qui a pas fonctionné? Bah, on a mal fait le pressing et là, quoi, c'est. Après, je pense que ça nous a pas réussi et voilà quoi. Ils ont mis le premier but au bout de, je crois, 8e, je crois. Après, on a essayé de pousser, d'égaliser, et voilà quoi. Ils ont mis le deuxième et le troisième, après c'était fini quoi. Et voilà. Est-ce que dans ce cas-là, ouais, il faut digérer la défaite le plus vite possible, quoi? Exactement, bah là on commence à digérer, après c'est dur. Bon. Moi j'accepte pas de perdre, après voilà quoi, c'est la vie, hein. On avance et on digère et on passe à l'autre match. C'est comme ça, c'est la vie. C'est vrai que vous êtes enfin, vous êtes toujours une des meilleures défenses du championnat, mais d'avoir pris 5 buts en 2 matchs, est-ce que ça met un petit peu de doute? Ou comment tu le vis aussi en tant que défenseur, quoi? On va dire un peu, mais il faut pas penser à ça, tu vois. C'est prendre des buts, c'est. On va dire c'est normal, mais moi en tant que défenseur, j'aimerais pas prendre des buts tout le temps, tu vois. Mais bon, après il faut passer à autre chose. On va pas dire en 12 matchs on va prendre 0 but, c'est impossible. Franchement, c'est dur de faire ça. Hein. Je sais pas qui a fait ça, mais bon. De ne pas prendre des buts pendant 12 matchs, c'est. Bon, faut avancer quoi. Faut pas penser à ça, c'est. Il faut prendre match par match, après ça va le faire, c'est pas. Tu disais que tu n'aimes pas perdre, du coup, est-ce que c'est une défaite comme ça, assez lourde, ça sonne un réveil quelque part, ça redonne un coup de boost? Oui, j'aime pas, mais bon, après, c'est. Moi, j'ai l'habitude de. Après, quand on perd, il me faut 2 jours, on va dire, pour passer à autre chose, tu vois. Après, là, c'est passé, c'est bon. Il y a le match qui arrive lundi, il faut passer à autre chose vite. Si on reste bloqué, on va pas avancer, quoi. On va rester focus sur le match, on va passer à plein de trucs, non. Là, il faut passer à l'autre match qui arrive, c'est. Passer à autre chose. Après, pour moi, tu vois. Après, je sais pas comment les autres ils le vivent, mais. Je peux pas aller à leur place, quoi. Est-ce que la SAC, vous étiez sur le podium depuis la 5e journée, je crois, depuis très longtemps, là vous êtes sorti, même si vous n'êtes pas très loin. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui touche un petit peu ou mine de rien Franchement, non, pas du tout. ouais. Franchement, premier, deuxième, quatrième, faut pas penser à ça. L'année dernière, on était mal, là, on est bien. Les saisons ne se ressemblent pas. Là, il faut profiter, quoi. Il faut aller chercher quelque chose et. Voilà, faut pas lâcher. Quand on est quatrième ou cinquième, ou voilà. Il reste beaucoup de matchs, quoi. C'est Ça, vrai on que a le temps de remonter, de. Voilà, quoi. Faut penser qu'à ça. Est-ce que Ken, vous rencontrez une équipe qui bah, a un calendrier, a rencontré le Red Star assez récemment aussi? Est-ce que vous êtes servi aussi de ce match où ils ont gagné face au Red Star, mais c'est à domicile? Ils J'ai ont gagné, pas est-ce que. compris, j'ai mal compris. Je dis l'adversaire de ce week-end, du coup, Oui. a joué le Red Star il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vous vous servez un petit peu au niveau vidéo de ce match-là Bah, vidéo, on va la faire. Je pense que ça va être demain la vidéo, donc on va étudier bien l'équipe et voilà quoi. On les a déjà joués, on gagnait 2-0, après ils sont revenus à 2-2. Après, faut mieux faire quoi. Après, on va étudier, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre en place et le coach va mettre en place après, voilà. Est-ce que cette équipe d'Orléans, est-ce que tu la considères dans les équipes qui peuvent encore. C'est vrai qu'ils sont sur une belle série, une belle remontée, quoi. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent encore se mêler à la lutte au podium ou ils Ah, partent d'un peu loin? pour moi, tout le monde peut se mêler. Hein. C'est serré de partout. Vous voyez très bien comment est le classement. Tout le monde peut remonter. Comme nous, on peut descendre, on ne sait jamais. Voilà, il faut rester accroché. Faut pas lâcher. Voilà, quoi. Tout le monde peut remonter, tout le monde peut descendre. Le championnat, il est très très dur. Comment bah ça, vous êtes encore quatrième et complètement dans la course, mais est-ce que c'est vrai qu'il y a un peu plus d'irrégularité dans les résultats depuis quelques matchs. Il n'y a pas la même série de victoires comme au début de saison. Est-ce que tu l'expliques, ce que vous arrivez à expliquer entre vous, le fait que ce soit un petit peu plus. Pas Ouais, vraiment une grosse série qui se mette en place? on va dire au début, les gens ne nous attendaient pas. Voilà, on a une équipe qui presse, qui en presse, et là, tout le monde nous attend. Les gens nous laissent le ballon, et on voit que c'est un peu compliqué, mais bon, faut reprendre les bases du début, quoi. C'est juste ça. Après, les séries, ça s'explique. Hein. Tu peux faire 4 séries et perdre d'autres matchs ou faire match nul, c'est comme ça. Tu sens que les adversaires vous posent plus de problèmes, Ouais, qui ça sont c'est sûr. Bah, adaptés, tout quoi. le monde nous attend, toutes les équipes nous attendent, voilà quoi. Et même nous aussi, on attend toutes les équipes, c'est comme ça aussi.
On parlait de la défense, un peu le patron de cette défense, on va dire. Est-ce que justement de finir meilleure défense du championnat, est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, toi, un petit peu Franchement, on va dire non, oui, mais imaginez-vous, on va vous dire, j'ai fini meilleure défense et on ne monte pas, ça me sert à quoi? Ça me sert à rien, quoi. J'aimerais bien une meilleure défense, et là, on monte et il y a quelque chose au bout, quoi. C'est inutile, quoi. Mais bon, après, ça me tient à cœur, tu vois, c'est. Là, il y a deux matchs à domicile qui s'annoncent, Exactement. où vous perdez très très peu de points. C'est dans la tête, vous dites c'est six points, c'est deux rendez-vous. Ouais, on va se dire ça, mais faut pas te mettre la pression. Si on se dit ça, c'est voilà, faut aller chercher quelque chose, on va se sans pression, c'est voilà, match par match, faut pas se dire il y a l'autre match qui arrive, non, là c'est ce match-là. Faut être focus sur ce match-là. C'est aller chercher les 3 points là, après on verra l'autre match. Faut pas dire il y a deux matchs. Voilà. On sait qu'il y a deux matchs, mais faut penser juste à ce match-là qui arrive. Enfin là, on sait quoi aller chercher, quoi. C'est les 3 points ou rien. C'est ça le but. Hein. On a perdu des points à l'extérieur, voilà, il faut les prendre là. Rattraper ça, quoi. Exactement. Maintenant que le maintien il est acquis vraiment depuis Chambly avec ses 40 points, là entre vous êtes dit quoi, c'est vraiment bah, maintenant essayer d'aller vraiment chercher la montée, le podium, quoi. C'est vu que l'objectif principal est accompli, est-ce que maintenant vous avez plus que ça en tête, on va dire? Ouais, on va se dire ça. Il y en a, ils le disent, il y en a, ils le disent pas, mais voilà quoi. On sait c'est quoi au bout. On le sait, tout le monde le sait. Faut pas se voler la face, faut pas dire. Voilà quoi. Maintenant, il faut aller le chercher, c'est sans pression. Faut pas se dire, ouais, c'est Ligue 2 ou je sais pas quoi. Non, c'est doucement. Faut aller chercher match par match et c'est comme ça on va avancer. C'est pas. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça. C'est pas. Et puis par rapport à l'année dernière, comme tu parlais un peu de l'année dernière, à la même époque, c'était pas la même situation il y a un an. Exactement. La patte latérale devait commencer à remonter. Exactement. Bah ouais, c'est pour ça que je dis ça. Là, il faut profiter, quoi. C'est dur, on est quatrième, c'est. Voilà, quoi. Comme on dit, les années ne se ressemblent pas. On sait pas. L'année prochaine, on ne sait jamais où on va être. Je sais pas. Ça fait. Bah ça. Que l'hiver dernier, tu avais été un peu blessé, tu étais re-rentré dans l'équipe vraiment début mars, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est pas comme ça. En fait, je suis revenu, je suis reparti, je suis revenu. En fait, je revenais, je repartais. Après, quand je suis revenu vraiment, C'était courant c'était mars, je crois. contre Bourges, je crois. Là-bas, quand on a perdu 1-0, je crois, je sais même plus, moi. Ouais, je crois que c'était ça. Après, je suis reparti encore, là, je suis revenu. Franchement, je pourrais pas vous dire, mais deuxième partie de saison, c'est là que je commence à revenir. Ça fait Après. quasiment un an que tu es dans l'équipe sans discontinuer, quoi. Pareil, beaucoup de monde qui trouve que tu es sans doute un des meilleurs centraux du championnat. Comment l'année qui s'est écoulée, comment tu la vis? C'est vrai qu'on sent que tu es vraiment au-dessus, quoi. Enfin, tu es au moins largement au niveau, mais tu fais partie des meilleurs défenseurs du championnat. Comment Moi, tu estimes ça, en fait? je regarde pas trop les commentaires, tout ça, c'est pas. Après, je prends pas la grossette, quoi. C'est pas. Faut pas me dire que je suis le meilleur ou. Je serai le meilleur, je serai pas là. C'est pas. Voilà, quoi. C'est pas. Faut pas se dire ça, quoi. Après, je laisse les gens parler, tu vois. Ça me fait plaisir, mais bon. Faut pas que je me dise, ouais, je suis le meilleur à prendre la grossette, non, pas du tout. C'est, je reste focus à ce que je suis en train de faire, et voilà, quoi. Je calcule pas trop. C'est comme ça que t'es. À dire très à l'aise dans le championnat, parce que ça Et. donne encore plus envie d'aller voir l'étage au-dessus, quoi. Toi Ah qui as bah, grimpé tous les étages un peu. j'essaye de grimper, après j'espère que je vais le faire avec un petit. Voilà quoi. Là je suis encore là pour longtemps, j'espère qu'on va le faire là.